are not there for you people. And if things like this are happening in Cameroon, it's because of you French people. That's why it's my obligation to speak in French. I have to always try to explain certain things in French because it's because of you people. Si le Cameroun était seulement un pays anglophone, vous pensez que Rimp devait rester là 40 ans en train de cacher dans sa chambre, en train de diriger ceux qui ne connaissent même pas. Et la plupart du temps, être en Suisse dans les hôtels, vous pensez que l'homme anglophone peut accepter ça pendant 40 ans? Vous pensez que c'est possible? Vous ne voyez pas les exemples ailleurs? Vous ne voyez pas même depuis 7 ans là, même sans rien, même avec les cailloux, on a commencé à se battre contre ces gens. Même avec les cailloux. On a commencé à se battre contre ces gens. Est-ce que vraiment quelqu'un veut... Est-ce que la division aide les Africains? Jamais. Mais est-ce que nous allons continuer à accepter ce genre de conneries? Non, non. L'homme anglophone n'accepte pas longtemps. Nous ne sommes pas dans ce genre de choses. Nous ne sommes pas dans ce... Pour vous, c'est de parler de gros mots, de gros français, et boire le Danton, et boire la bière, oh, j'ai le whisky, ça s'arrête là. Et demain, quand vous manquez de respect en France, vous êtes fâché. Vous vous énervez. I don't even know what to say, Roman. Ça me dépasse, Roman. L'homme africain, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ce même dirigeant-là, le ministre de la communication, là, ce problème de connexion peut passer comme ça jusqu'à fini. Il ne se dit pas, il ne parle rien. Aucune presse conférence, aucune, rien. Il ne dit rien, il ne fait rien. Demain, là, il va passer. Les mêmes Camerounais là, vont toujours danser, applaudir. Et que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. C'est comme ça, vous, les Africains, vous êtes. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans cette connerie de sous-développement-là. C'est parce que nous sommes trop dans les émotions. Surtout les francophones, vous êtes dans les émotions. Vous criez fort sur la toile, vous criez fort sur la foi. Et ça s'arrête là. Vous voyez les gens, oh, je suis de la base, oh, c'est là. Après, demain, le lendemain, tu veux les voir, ils sont en train de se clasher. Après, le lendemain, tu veux voir, c'est de la jalousie, c'est de la haine, la division, ceci, cela, entre eux-mêmes, ceux qui se battent pour le changement. Eux-mêmes, ils ne peuvent même pas montrer déjà l'exemple de changement. Eux-mêmes ne peuvent même pas déjà montrer l'exemple de changement. Ils sont sur la toile. Non, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Après, vous voulez regarder son histoire à dormir debout. Ton caleçon est monté. Ton caleçon était sur la tête de celui-ci. Ton caleçon dansait là-bas. Des conneries qui n'ont pas de sens. Alors que les Africains sont en train de souffrir. Les Camerounais sont en train de souffrir. Ça fait pitié. There's nothing we can do. There's nothing we can handle. There's nothing we can do, there's nothing we can handle. There's nothing we can change. Voilà juste un petit problème qui ne concerne même pas votre étudiant là. Ça ne concerne même pas étudiant parce que vous avez peur. Lorsque vous entendez le nom de étudiant là, vous pouvez même pisser sur votre caleçon. Dans votre caleçon, vous pouvez pisser dans votre. Lorsque vous entendez seulement le nom d'étudiant là. Bon. Maintenant, le problème du téléphone là. Ça concerne la connexion là. Hein? Les Orange et MTN. Est-ce que ça concerne étudier directement? Ça ne les concerne pas directement. Mais ça les concerne indirectement, mais pas directement. Donc vous pouvez maintenant vous attaquer à ce que ça les concerne, à ce que ça les concerne maintenant. Pourquoi vous ne le faites pas? Des ingrats comme ça.
Et juste c'est pour aller c'est pour crier un peu et venir se voir sur se faire voir sur Facebook. Alors vous avez arrivé. Vous avez arrivé. L'homme africain ne pense jamais à l'avenir. Parfois vous accusez même ces dirigeants alors que vous n'êtes pas différent de eux. De ce genre-là. Est-ce que vous êtes vraiment différent? Parce que vous-même, vous êtes là pour vous faire voir. Et ils sont là pour leur propre intérêt. Et vous êtes là pour vous faire voir. Personne ne s'indigne de l'avenir de ses enfants. Et vous apprenez ce même connerie-là à vos enfants. Et ils voient ça. J'ai tout ouvert, tout le monde regarde les vidéos, tout le monde voit ça. Vous parlez comme ça, mais vous faites comme ça. Et ils voient ça. Demain, ils vont continuer avec ça. L'avenir alors de l'Afrique, ça serait où? Est-ce que l'avenir de l'Afrique, là, ça va nous appartenir un jour? Je ne le crois pas. Vous serez toujours des cabris et des moutons. Si vous ne changez pas vos mentalités, vous serez toujours les cabris et les moutons. On doit mettre les gens à leur place. On doit quitter dans les émotions et commencer à mettre les gens à leur place. On lance un mouvement. Opération mode avion. Les Français sortent. Pour apporter un peu de déstabilisation. Allez, on le met de côté, on coupe, on ferme. Pour des bancs. Ce n'est pas de la blague. Vous allez continuer à blaguer jusqu'à quand? Vous allez continuer à blaguer parce que les gens là savent que vous allez rien faire. Ils vont venir faire ce qu'ils voulaient. Les one-man show. Oh, arrêtez vos conneries là. Oh, ça va rien aboutir. Oh, je ne parle pas de Malox. Malox, c'est quelqu'un. Bon, Malox, c'est un toc-toc. Mais parfois, il est coréen. Parfois, il est coréen. Mais les gens comme les... Vous voyez, ces stars-là, on ne connaît même pas les noms parce qu'ils ne servent même à rien. Par contre, je ne suis pas ivoirien, mais je connais les stars ivoiriennes. Je connais les stars, ils sont pleins dans ma tête. Et quand je veux parler d'un star camerounais, ça devient le problème. Et tous, ils ne servent à rien, ils sont des mendiants. Sont les mendiants, les vendus, les vauriens. Ils sont là, ils sont crochés partout, ils crochent partout en Europe, ils s'accrochent là, ils attendent seulement qu'on les invite un peu à étudier. Ils vont aller faire les one-man show là-bas. Pour eux, c'est être star comme ça. Ils ne savent même pas que, avant de devenir star, ce sont les Camerounais qui les ont rendus stars. Pour eux, ils sont arrivés stars et maintenant c'est bon. Il faut rester là, ils attendent. Dès qu'il y a une petite occasion d'arriver, d'où il y a une autorité, il part là-bas. Il part là-bas, on lui donne un peu de dos, il fait ses lèche-bottes, il rentre pour lui, il est star comme ça. Mais ils oublient que, est-ce que ça va continuer comme ça? Parce qu'un star doit laisser sa trace. Donc un star doit laisser ses empreintes. C'est ça qui te fait un star. Les gens comme Vassero, ces empreintes sont déjà là. On va parler, nos enfants vont parler de Vassero. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, nos enfants vont parler de Vassero. Ils vont parler de Vassero. Là, c'est ce qu'on appelle un artiste. Il utilise sa visibilité pour sensibiliser les Africaines. Pour sensibiliser les Africaines, pour sensibiliser les Camerounais. Et il sortira toujours victorieux. Quand on le torture, quand on le met en prison, quand on fait quoi, il sortira toujours victorieux. Même quand il n'existe plus, même quand il ne va plus exister sur cette terre, il sera toujours victorieux. On va toujours le glorifier. Comme on le fait avec les autres qui sont passés. On va toujours le glorifier parce qu'il a laissé des empreintes positives. Vous êtes là, vous faites quoi? Si vous ne pouvez pas rejoindre le combat, la souffrance des Camerounais, pourquoi vous ne pouvez pas vous taire? Taisez-vous et attendez qu'on vous invite à étudier. Attendez qu'un ministre, lorsqu'il fait son mariage, il vous invite. Attendez que lorsqu'un ministre veut laver ses dos, il vous invite. Attendez que lorsqu'il y a les petits gombos, vous partez chercher. Attendez ça. Ne soyez pas si méchants.
Vous avez de la visibilité, mais si vous ne voulez pas utiliser, laissez donc les pauvres Camerounais, ils vont se débrouiller sans vous. Mais ne venez pas encore vouloir chercher à vouloir les déstabiliser. C'est la pure méchanceté, c'est la sorcellerie.